Bouvance Ravalmanan, toujours pas de candidat en vue. À 4 mois des élections présidentielles, le mystère reste entier au sujet du candidat proposé par la mouvance Ravalmanan, a fait remarquer son porte-parole, Giri Rangianarsu. Aussi, il a tenu à faire savoir que la question sera évoquée dès le retour au pays de l'ancien chef d'État. Par conséquent, la priorité pour la mouvance Ravalmanan concerne pour l'heure le rapatriement au pays des exilés politiques, parmi eux, Marc Ravalmanan. D'après les dires de Giri Rangianarsu, nous ne pouvons parler de scrutin sans aborder la question de l'amnistie générale et du retour au pays des exilés politiques. Ceci compte pour dire que la mouvance se prépare déjà à accueillir son leader. En tout cas, sur le plan international, les dirigeants de la mouvance Ravalmanan tentent de parvenir à cet objectif en faisant du lobbying auprès des organismes internationaux, selon toujours les explications de son porte-parole. Les principales activités de la mouvance se tournent ainsi vers les autres instances de la SADC, a-t-on indiqué. Au sujet de ce retour au pays tant attendu, Giri Rangianarsu n'a avancé aucune date officielle. Il a précisé néanmoins que ce sera avant les élections prévues en mai prochain, voire avant l'arrêt de la liste des candidats aux élections nationales.